Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 13 de Au coin du Blu-ray. Épisode 13, donc, qui change de lettre, puisqu'après avoir exploré la lettre E, nous allons maintenant explorer la lettre F. Je dois avouer que dans mes Blu-ray, je n'ai pas beaucoup de films qui ont la lettre F dedans. Comme ça, qui me vient en tête, c'est des films, pour la plupart, je les ai déjà chroniqués sur la chaîne, donc ça vaut pas vraiment le coup de revenir dessus. Je pense à Free Fire de Ben Wheatley, qui est un excellent film qui joue à merveille avec un style très scorsésien dans un univers un peu underground, donc ça déboîte. Si jamais vous l'avez jamais vu, regardez-le. Je pense à La Favorite de Yorgos Lanthimos, mais pareil, c'est un film dont on a parlé il y a tout récemment sur la chaîne, donc ça vaut pas vraiment le coup de l'évoquer ici. Mais j'ai trouvé un film qui, pour le coup, est un véritable plaisir de cinéphile. C'est un pastiche. Mais un pastiche parmi les pastiches. Le genre de pastiche qui fait du bien, le genre de pastiche qui fait rire, le genre de pastiche qui amuse, et surtout le genre de pastiche qui s'attaque à un monument du 7e art. Ce pastiche, c'est La folle histoire de l'espace ou Spaceballs de Mel Brooks. C'est peut-être la meilleure parodie de Star Wars qui a été faite. Et Dieu sait que Star Wars a eu le droit à de trop nombreuses parodies, soyons sincères. Des parodies allant de la bonne petite idée jusqu'au délire complètement rétrograde qui se moque ouvertement du film qui n'arrive jamais à égaler le niveau de l'univers de George Lucas, mais Mel Brooks a réussi un sacré tour de force, il faut bien l'avouer. L'histoire, comment la résumer simplement? Vous prenez Star Wars, et vous y mettez aux commandes un réalisateur complètement déjanté qui a envie de parodier le film sans pour autant lui manquer de respect. Et vous avez Spaceballs ou La folle histoire de l'espace. C'est ça qui est assez génial. Pour le petit historique, moi, Mel Brooks, je l'ai découvert assez tardivement, parce que Mel Brooks, dans ma tête, lorsque j'étais jeune, c'est pas forcément le style d'humour qui me donnait plus que ça envie, parce que faut pas se voiler la face, lorsqu'on est un petit peu jeune, qu'on aime le cinéma, on va plus s'orienter sur les scary movies ou les dérivés du genre. On aime bien les parodies un peu graveleuses. Enfin, moi je sais que personnellement j'étais très amateur de ces films-là, genre Spartatouille, Vampire Sucks ou des trucs comme ça. C'était des délires qui m'amusaient. C'était nul, hein, et j'en avais conscience, mais ça m'amusait. Et par contre, bizarrement, tout ce qui était les « y a-t-il un pilote dans l'avion »,« y a-t-il un flic pour sauver machin », c'était pas forcément des films qui me titillaient plus que ça. Et vu que Mel Brooks était un peu dans cette vibe-là, je dois avouer que tout ce qui était Frankenstein Junior, La folle histoire de l'espace, Les producteurs, c'était pas forcément des films qui me titillaient plus que ça. Mais j'ai un très bon pote qui m'a fait découvrir La folle histoire de l'espace. Et à partir de là, j'ai complètement changé d'avis sur Mel Brooks et j'ai adoré le film. Enfin, c'est un pur délire. À partir du moment où t'as un film qui veut parodier Star Wars, qui commence avec un vaisseau qui fait 10 000 km de long, et où tu te demandes littéralement si à un moment ça va s'arrêter, et où t'enchaînes après sur un Dark Vador qui est en taille réduite et qui a un casque surdimensionné pour sa tête, enfin, à partir de là, tu sais que le film, il va être fun. Ok, tu vas peut-être avoir des choses à redire, mais tu sais au moins que tu vas te taper un bon délire. Et ce qui est assez génial, c'est que Mel Brooks, peu importe l'enchaînement des séquences, peu importe le style de comédie qu'il met en forme, peu importe l'idée qui va driver tout son film, il va toujours chercher à faire en sorte que le spectateur s'amuse devant ses films. Il va pas faire des films uniquement comme ça pour le délire et pour le plaisir de la parodie. Il a vraiment envie de faire en sorte que ce soit des comédies qui se suffisent à elles-mêmes. Et vous pouvez regarder, enfin, je sais que j'ai fait le résumé en disant vous prenez Star Wars et vous mettez un réalisateur déjanté aux commandes. On peut le résumer comme ça, La folle histoire de l'espace. Mais on peut également le résumer en imaginant simplement un auteur qui aime l'univers de George Lucas, qui a envie de le parodier, de le détourner, sans pour autant lui manquer de respect. Et à partir de là, ce qu'il cherche à faire, c'est créer son propre petit univers. Et il ne va pas chercher uniquement à faire des clins d'œil aux différents personnages de Star Wars. Il va chercher vraiment à aller dans une direction où il peut se permettre soit de se moquer, soit de s'amuser, soit de détourner un personnage. Enfin, je pense à un truc tout bête, mais par exemple, Jabba le Hutt, dans Spaceballs, c'est juste un amoncellement de bouts de pizza, de bolognaise, et c'est complètement outrancier. Et je vous l'ai dit, Dark Vador, ici, il est petit, il a un casque surdimensionné, et il passe son temps à hurler et à gueuler. Et il y a plein de petits trucs comme ça, et c'est ça pour moi qui fait la sève et, on va dire, le vrai sel, finalement, de La folle histoire de l'espace. C'est ce petit délire, cette envie de nous embarquer dans quelque chose de fumé, de jouissif, de délirant, et c'est ça, moi, qui m'éclate devant ce film, et qui fait que j'aime beaucoup le regarder. Et, encore plus que ça, le casting est super bon. Bon, on a Bill Pullman qui était encore assez balbutiement à l'époque, mais Bill Pullman, c'est un acteur de mon enfance, c'est le mec qui a joué dans Casper. À partir de là, moi, je l'adore. Il y a John Candy, il y a Craig Moranis, il y a même Mel Brooks qui joue un personnage complètement délirant de chef de planète qui est complètement fumé. Tout le casting s'éclate.
Et on sent que c'est un casting qu'ils en a fond pour le plaisir du spectateur. Et c'est ça, encore une fois, qui m'amuse dans ce genre de film. C'est d'avoir la sensation qu'on n'est pas uniquement sur un simple petit délire qui va parodier ou pasticher ou détourner un classique du cinéma ou un film culte. C'est vraiment dans une envie de vouloir amener de la comédie au sein de quelque chose qui, à la base, n'en a pas plus que ça. Et pour moi, c'est ça qui fait la force de La Folle Histoire de l'Espace. C'est que Mel Brooks, encore une fois, est dans cette optique que la comédie doit accompagner quelque chose de concret, quelque chose d'amusant en soi. Pas uniquement par le fait que ce soit détourné de manière humoristique ou de manière comique. Il faut qu'en soi, le film soit drôle rien que par sa base. Et c'est ce qui se passe ici. Bon, par contre, je dois avouer que niveau Blu-ray, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus, parce que hormis la copie qui est vraiment excellente pour le coup du film, il n'y a pas de bonus dessus. Mais je crois de mémoire que même sur le Blu-ray, même sur le DVD, il y avait quasiment aucun bonus. Donc c'est un petit peu triste, mais là-dessus, j'ai pas vraiment grand-chose à vous conseiller. Mais encore une fois, je le redis, si vous voulez voir La Folle Histoire de l'Espace ou Spaceballs, allez-y. C'est drôle, c'est fun, c'est fumé, c'est délirant. C'est une bonne parodie de Star Wars. C'est pas uniquement une parodie qui va enchaîner les clins d'œil au film. C'est un film qui se suffit à lui-même, qui est drôle, qui est amusant. Et moi, personnellement, c'est une des petites pépites qui s'amuse du cinéma que j'adore regarder régulièrement. Donc regardez La Folle Histoire de l'Espace de Mel Brooks, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 13 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou ce que vous allez penser de La Folle Histoire de l'Espace. J'aimerais bien avoir vos tirs-tours. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, même si ici, ça n'est pas vraiment le cas. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. C'est vraiment pas le cas ici.